الذي جعلنا مسلمين مؤمنين، نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية que j'ai citée, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'il y aura de parmi nous une communauté qui ordonne le bien, qui blâme le blâmable, et qui invite les gens, qui appelle les gens au bien, et ce sont les personnes dans la réussite. Allah Ta'ala a lié la réussite avec le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ طَائِفَ جَمَاعَ un groupe يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ordonne le bien et blâme le blâmable. وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ce sont les personnes qui sont dans la réussite. معناه الدعاة إلى الله هم في طريق الخير والداعي يأمر بالخير طيب بس وينهى عن المنكر. Alors l'aya concerne الدعاة, ceux qui appellent les gens à l'obéissance, à la croyance, à l'obéissance à Dieu, à craindre Dieu, à aimer Dieu, à œuvrer dans le bien. Alors, le rôle de celui qui fait da'wah, il ordonne le bien. Mais est-ce que seulement ordonne le bien ou il y a blâmer le blâmable? Il y a le fait de blâmer le blâmable. Sayyidina Muhammad amara bit tawhid wa hadhara min ash-shirk. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a ordonné at-tawhid, croire en Dieu, et il a blâmé le fait d'adorer les idoles. Il a blâmé le kufr et le shirk et toutes sortes de mécréances. Il a ordonné de prier, de jeûner, de faire le hajj. Et il a blâmé le haram, qu'il soit les péchés par la médisance, la zizanie, le vol, la criminalité, l'injustice, ainsi de suite. Les femmes. ولما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد أن يكون لك أصدقاء وأحباب ولا بد أن يكون لك أعداء. Lorsque tu ordonnes le bien et tu blâmes le blâmable, tu auras des gens qui t'apprécient, qui t'aiment, et il y a des gens qui vont être contre toi. المؤمنون الذين يحبون الله ورسوله يحبونك. Les croyants qui aiment Dieu et son messager et il aime le fait de mettre en pratique le Coran et la Sunna, ils vont apprécier ce que tu as fait parce que tu es en train de mettre en pratique ce qui est dans le Coran et la Sunna. Tu es en train de suivre Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors ces gens-là, ils sont contents et satisfaits. Mais les autres, non. Les autres qui ne s'intéressent pas à ça, ils s'intéressent à la dunya ainsi de suite, ils vont être contre toi. ولكن إن كنت تريد مرضاة الله فلا ينبغي أن تنظر إلى هؤلاء الناس. Si tu cherches l'agrément de Dieu, il ne faut pas donner d'importance à ces gens. لأنه كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Alors pour chercher l'agrément des juifs et des chrétiens, et ils ne seront jamais satisfaits et contents et ils ne vont jamais t'apprécier que lorsque tu le suis, lorsque tu vas au samedi au dancing en prenant deux bouteilles d'alcool et tu fais comme les fous, tu vas être aimé et apprécié. Et pas encore soutenir d'autres injustices. Et on ne doit pas le faire. ماذا قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حق عمر؟ قال ما ترك الحق صاحبا لعمر. سيدنا محمد a dit que la vérité, blâmer le blâmable, ordonner le bien, n'a pas laissé pour عمر un ami. ما ترك الحق صاحبا لعمر لأن عمر صداح بالحق. Parce que عمر c'était quelqu'un qui dit les choses comme ils sont, il tranche et il dit la vérité et il dit en face. Alors beaucoup peut-être parmi les gens ils n'ont pas apprécié, mais
lorsque tu cherches à dire la vérité et soutenir la religion, je viens de dire, il y aura des personnes qui ne sont pas contents. Et ce n'est pas notre problème. Le fait de chercher l'agrément de Dieu, c'est ça la chose essentielle. بعض الناس ينكر علينا أننا نطعن بالوهابية أو بالمجسمة. Certains, ils disent, mais à la mosquée de Lausanne, ou l'imam de la mosquée de Lausanne, ils critiquent les savants, al-ulama. Pour vous dire, une fois j'étais au cimetière à Puyi, et j'ai fait une grande leçon, il y avait beaucoup de monde, de notre mosquée et d'une autre mosquée. Il y avait beaucoup de monde. Quelqu'un est venu après moi, il m'a dit, « Mashallah, tu as donné une très jolie leçon. Très bien, Mashallah, ça a été très bien. Mais tu peux me dire, pourquoi vous rendez mécréants ga'al ulama ?» Pourquoi vous rendez mécréants tous les ulama ? Ga'al ulama, c'est le dialecte. J'ai dit, « Moi, je suis devant toi. » Non, on ne dit pas que tous les ulama sont égarés ou mécréants. Les ulama de l'islam, c'est des dizaines, des milliers. On les apprécie, on est avec eux. Et nous faisons partie de la communauté musulmane. On est une goutte dans l'océan. Nous, on est une goutte dans l'océan. Il a répété. J'ai dit, mais il faut me dire précisément. C'est pas comme ça, c'est pas juste. Tu es en train de dire, c'est pas juste. Après, il m'a dit, après que j'ai fait coincer, je l'ai coincé. Il m'a dit, Ibn Taymiyyah. J'ai dit, alors, gars, l'ulama se résume maintenant par une personne qui est au 8e siècle, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qui a dit, qui a insulté Allah lorsqu'il a dit Allah s'assoit sur le trône et il pose les pieds sur le coursi et laisse une place à côté de lui pour Muhammad. Ça, c'est une insulte pour Allah Ta'ala. Alors toi, tu as résumé les savants par Ibn Taymiyyah. Entre nous, comme Allah Ta'ala a dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Alors là, il y a une divergence entre nous au sujet d'Ibn Taymiyyah. La référence est le Coran wa Sunna. Alors si cet homme, il peut se tromper, ce n'est pas un prophète, alors on doit se référer au Coran wa Sunna. Cet homme, il a dit que le monde n'a pas de début. Dans tel livre et tel livre, Minhaj al-Sunna, Sharh Hadith al-Nuzul, dans cet livre, il a dit le monde n'a pas de début. Et Allah a dit dans le Coran, huwa al-awwal. Idhan hadha ar-rajul qala biqidam al-alam. قال نوع العالم أزلي والله يقول في القرآن الكريم هو الأول قال لي أنا بصراحة ناطرني الناس وعندي موعد بدي أمشي il a dit une fois qu'on est rentré concrètement celui-là il a contredit le Coran tu es en train de me dire j'insulte Ga'al Ulama ou je rends mécréant Ga'al Ulama c'est pas juste les ulama de l'islam dans les quatre écoles c'est des milliers et c'est les courants de notre tête tandis que Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim c'est des mujassima. Et les grands imams comme le Bayhaqi, le Nawawi, le Ghazali, le Shafi'i, l'Abu Hanifa, le Tahawi et d'autres ont dit que ce sont mécréants ceux qui disent Allah est encore. Bref, cette personne, il s'est échappé. Pour vous dire, alayhi sallallahu ta'ala qal, isma'u qawl Allah ta'ala, inna sharrad dawabbi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Inna sharrad dawabbi. Ad-dawab, ici, tout ce qui bouge sur cette terre, tout ce qui marche, c'est pas ad-dawab, les animaux, ceux qui bougent. Alors, les humains, les djinns et les animaux, ça bouge. Alors, il y a des cafards qui bougent, il y a des fourmis, il y a des scorpions, et il y a des êtres humains. C'est quoi les pires? Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Les pires de ceux qui bougent sur cette terre, ce n'est pas les araignées, ce n'est pas les cafards, ce n'est pas les serpents, mais c'est plutôt ceux qui ont mécru. Et Allah Ta'ala a dit que ceux qui mécroient, ils sont pires que ces insectes et ces animaux. Alors, c'est Allah Ta'ala qui nous a dit qu'ils n'ont pas de valeur ceux qui ont mécru. Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, c'est pas Cheikh Muwaffaq al-Rifa'i à l'année 1447 qui a déclaré, regardez le livre de Taqi ibn al-Husni, un savant de 8e siècle en arrière, il a écrit dans son livre que les quatre imams juges Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite ont signé après une telle question que Ibn Taymiyyah a dit, a mécru. Après, il a dit, sa mécréance est par l'unanimité.
Alors, nous, on est en train de suivre la communauté musulmane, les imams de l'islam. L'imam Abu Hanifa, c'est notre imam. L'imam Malik, c'est notre imam. L'imam Shafi'i, c'est notre imam. L'imam Ahmed est notre imam. Amma ahlu tassim wa tashbih ne sont pas nos imams. Ceux qui attribuent à Dieu le corps et le fait de s'asseoir, ce n'est pas nos imams. Moi, je sais que certains haram sionistes, بعض الحاخامات الذين يبيحون قتل الحيوان والأطفال والنساء وهذا الذين يفعلون ويقولون تعب فاستلقى على العرش وهؤلاء الوهابية يقولون جلس وقعد ما بيقولوا تعب بس بيقولوا جلس وقعد ويجوزون عليه أن يتكئ ويتربع الآخرين قالوا على قفا. Alors les sionistes et certains haram qui disent on doit tuer tout, les enfants, les animaux, et ils ont commencé à tuer les animaux maintenant, les moutons. Ils ont tué les moutons pour les Palestiniens, et ils tuent les enfants, et ils tuent les gens que ça fait 10, 15, 20 jours qu'ils n'ont pas mangé pour chercher le blé, ils les tuent, et ça fait une semaine qu'ils sont en train de le tuer, et on dirait l'Occident c'est aveugle, il ne voit rien. Et ces gens-là, ils disent, Allah il s'est fatigué, il s'est reposé, et les Wahhabiyya, ils disent, Allah il s'est assis. Il s'est assis et il a mis les pieds sur le coursier, mais il a assis sur le trône et le coursier, c'est la place des pieds. On dit ce sont des cousins. Ce sont deux cousins. Ces gens-là et ces gens-là, Allah Ta'ala ne ressemble pas aux êtres humains. Bal Allah Ta'ala laysa kamithli shay wa huwa as-sami'u al-basir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.